Ce n'est pas tout au partage aux gens. Tu as un secret, il faut garder ça pour toi. Amen. Et même verront que ça vient de s'accomplir. Moi, à un moment, j'ai commencé à parler. Ah, j'ai parlé beaucoup sur Internet. J'ai mis à Paris. Sorcier a commencé à m'attendre à Paris. C'est qui m'a montré. Donc maintenant, je suis en train de faire les choses. Propre, me dit pas. Amen. J'ai dit, ah, ok. Ok. Donc la discrétion est importante. Ok. Ok. Amen. Amen. Soyez beaucoup discret. Amen. Ne partagez pas au projet à tout le monde. Merci. Joseph s'est réveillé un matin. Il dit, j'ai fait songe. J'ai fait rêve. Tu as fait rêve. C'était un son d'élévation, une vision. Où Dieu devait élever ses frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Comme les sorciers. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Frère, par moment, le diable ne maîtrise pas votre pensée. Il ne sait pas ce qui est en vous. Parce que vous parlez beaucoup, qu'il prend le secret. Il cherche à vous détruire. Amen. Amen. Ils ne sont pas loin. Ils sont autour de vous, la sorcellerie. Amen. 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 Ils sont autour de vous. Ils envoient des espions. Vous savez, quand le diable ne peut plus vous avoir sur le plan spirituel, c'est-à-dire le monde de la nuit, il envoie physiquement des gens pour qu'il y ait une amitié avec vous. Il crée une amitié et commence à avoir le discernement. Est-ce que l'amitié, là, ça vous profite ou pas? Mais oui, moi, ce qu'on fait, je suis. Si une amitié ne me profite pas, elle dégage. C'est comme ça, je suis. Tu es venu là, c'est pourquoi? Tu m'apportes quoi? Vas-y, moi, je t'apporte quelque chose, tu vas m'apporter quelque chose. C'est comme ça, en retour. Tu ne m'apportes rien, tu dégages. Si vous voyez que l'amitié vous approche, que la personne cherche à avoir des informations sur vous, cherche toujours celle qui cherche à parler, je cherche à avoir des informations, cherche à avoir des trucs, commencez déjà à vous défier cette personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Commencez déjà à vous méfier de la personne. Elle va commencer à vous demander, ça c'est quoi? Comment vous avez fait pour faire ça? Comment vous avez fait pour faire ça? Comment tu fais? Comment tu fais? Quel est ton secret? Quel est ton secret? Si ça soit plusieurs fois, commencez à vous méfier de la personne. Elle vient pas pour vous aider. Elle vient justement pour avoir des informations. Or, eux ont besoin d'informations. Vous savez que dans le monde, la plus grande puissance au monde, les États-Unis, la force des États-Unis, c'est le service de renseignement. C'est le service de renseignement. Et pour vous avoir, le diable a envoyé des espions pour avoir toutes sortes d'informations. Il y a des choses que vous ne pouvez pas partager. Même les problèmes du foyer, ce n'est pas tous les problèmes du foyer, on partage aux familles. Amen. Amen. Vous savez, quand vous êtes marié, monsieur, madame, il y a des choses, avant de prendre des décisions, monsieur doit consulter madame, madame doit consulter monsieur. Amen. Si ça n'existe pas, ce n'est plus vie de couple. Je suis désolé. Il y a ce qu'on appelle dans une nation, on appelle le secret d'État. Il doit avoir un secret de couple. Or, s'il n'y a plus de secret de couple, il n'y a plus d'informations. Et quand il n'y a plus d'informations, ne soyez pas surpris que le diable commence à frapper. Souvent, vous, c'est vous qui prenez tous les fois au diable. Non, les sorciers m'ont attaqué. Mais c'est toi qui as voulu que le diable t'attaque. Vous laissez faire. Or, ceux qu'on ne laisse pas faire. Et ils ne viennent pas vous amuser, ils viennent vous frapper. Ils ne viennent pas vous amuser, c'est pour détruire. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Ils viennent pour détruire. Ayez vraiment le discernement. Amen. Amen. Ayez le discernement. On dit amen. Amen. Nous allons tenir debout et commencer à prier. Tu vas prier. Non, laisse l'enfant. Parce que toi, j'ai vu beaucoup de choses sur toi. Laisse. Donnez l'enfant à quelqu'un. Viens chercher tes démons. Tu as trouvé des démons. Elle doit mourir dans le mois de janvier prochain, le 28. Oui. J'ai vu ça hier, pendant la nuit quand je priais.